Alors, c'est reparti. On va essayer Dopamis le land drop sur cette game. On est sur le draw. L'adversaire joue une cage. Bon bah on est sur le mirror. Alors c'est parti pour une demi-heure. L'avantage c'est que si on arrive à mettre le search, on est tout bon. Oh, ça se peut que ça joue 1000. Ok. Bon bah si ça joue 1000, je vais mettre le château, je vais mettre search. Et search va pouvoir se retourner en quelques tours si on commence à se faire meuler. Ou ce serait bleu blanc contrôle. C'est étrange ce que l'adversaire joue. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un cast out? Je pense que c'est intéressant de façon d'aller plus sur le search le plus vite possible. Donc on va essayer de mettre dans le cimetière toutes les le plus de cartes possible pour pouvoir générer de la value et pouvoir ah, la Narset qui tombe, c'est pas très grave, on pioche pas plusieurs cartes par jour. Tant qu'on se prend pas un commit to memory, on est bon. Ah, Narset into Narset, ça arrive assez fréquemment, j'ai remarqué. Alors, on va essayer d'aller aussi chercher le château blanc. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir scry 3 à tous les tours, donc c'est l'adversaire est pour l'instant dans une mauvaise position par rapport à moi. Whiff sur le Narset, c'est assez triste. L'adversaire reste sur. Garde le mana ouvert pour un absorbe. On va rien jouer. Hein. L'important, c'est qu'on aille chercher le château que l'on trouve. Bon, bah là, c'est. On a le search avec le scry plus le château. Que peut-on demander de plus? Je ne sais pas. Alors, que fait l'adversaire? Ça colle. Je pense que l'adversaire a le même problème que ce que nous avons eu sur la partie précédente. Ça joue la moitié de terrain dans son jeu et ça arrive pas à en piocher. Voilà. La table a tourné. Bon bah, on a gagné 1% de winrate avec notre victoire. On monte à 80. Et je vais en lancer une tout de suite, hein, parce que bon, la partie a duré 2 minutes 40. Autant qu'on rattaque, hein. C'est assez décevant qu'une défaite nous fasse perdre autant de pourcentage alors que une victoire nous donne un maigre pourcentage, mais bon, c'est les statistiques, hein, ça marche comme ça. Hein. Alors, cette main n'est absolument pas viable, hein, les deux Teferi, c'est vraiment lent. Et les Glacial Fortress, elles vont arriver engagées parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de. De terrain de base, donc on va mulligan. Ah, on a une cage contre un Lurus, on va mettre un Teferi en dessous du deck. Si on se prend pas de Thoughtseize tour 1 et que c'est bien un Rakdos, on est plutôt bon. Si par contre c'est un enchantement, c'est un enchantement. Ok, alors là on n'est pas super bien. Le Seal Away il est pas extrêmement efficace contre le jeu enchantement parce que le jeu joue 4 copies de l'enchantement qui donne vigilance et qui peut se rejouer du cimetière, donc ce qui rend le Seal Away complètement inefficace. Alors en espérant que l'adversaire soit un peu greedy et nous attaque exactement avec un All That Glitters. Donc là si l'adversaire attaque c'est mauvais pour lui. On va lancer le Seal Away, voir ce que ça donne. Est-ce que ça va mettre protection? Ça pourrait. Mais du coup l'adversaire va perdre l'enchantement. Ah non, ça m'exproof, d'accord. Oh bah on va essayer d'aller sur une colère le tour prochain, et si ça marche pas, on va essayer de faire un cast out. Ou vice versa, peu importe. On va voir en fonction de ce qu'il y a. Mais je pense que le mieux c'est de mettre une colère pour. Ah oui, là c'est clairement la colère qui compte. S'il n'y a pas d'autres Karamitras, on est.
Ah, c'est parfait. Ok, prochain tour colère, on va peut-être pouvoir remonter dans la game. En espérant que l'adversaire ne mette pas le Selfless Savior avec un mana blanc que l'adversaire aurait du haut de son deck. Bon, on prend 7. On prend 7. Et on va voir ce que ça donne. Colère. Est-ce qu'il y a un autre Karametra? Oh, il y a un autre Karametra. Bon bah, on a l'adversaire qui a bien pioché. Bon bah, ça arrive ainsi. Ça arrive. Bon, la partie a encore duré 2 minutes, donc je pense qu'on peut encore en lancer une. Donc là, le winrate se stabilise hein, vers un winrate normal. Hein. Généralement, c'est après une centaine de games, généralement le winrate est entre 65 et 70% avec cet archétype. Donc là, on retourne petit à petit vers le 70, ce qui est un très bon winrate de base. Hein. Alors, commence deuxième, ça joue vert, ça joue elfe, on a la cage. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors on va investir tout de suite. On va mettre la cage, ce qui nullifie la Collected Company. Si l'adversaire ne joue que elfe, je pense qu'on est plutôt pas mal. Gruul, c'est toujours assez compliqué, surtout quand on commence deuxième. Alors l'avantage, c'est qu'on a un tome. Ah, mais l'adversaire a une main assez extraordinaire. L'adversaire a vidé sa main tour 2 avec deux Burning Tree Emissary. Alors l'adversaire a son 3 mana. Est-ce que si je prends 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 16. La seule façon de survivre jusqu'au Wrath, ce serait de mettre le tome, hein, je pense. Hein. On va voir ce qu'il en est. On va essayer de trouver une réponse assez tôt, genre en timely. On va faire deux scry. On va essayer de choper le terrain pour Wrath, tour 3. Sinon, je pense que là, l'adversaire nous a eu grâce à une main assez extraordinaire. Alors, Bone Crusher, ok. Alors on n'a peut-être pas perdu. On n'a peut-être pas perdu. L'adversaire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si on a le timely, c'est bon. Allons chercher. Ah, on a la cage. Bon, bah, malheureusement, on n'a pas le timely. Une autre colère. Bon, bah, l'adversaire nous a tué tour 3. Ça arrive quand t'es sur le draw. Alors, ça nous fait un total de 3 games en 6 minutes. Bon, bah, c'est assez expéditif. Allez, on va en lancer une dernière pour la vidéo et on va essayer de partir sur une victoire.